Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour un déjeuner à Grand Bassam. Un déjeuner à l'occasion de la nouvelle année qui commence. L'objectif du chef du gouvernement ivoirien, resserrer les liens d'amitié et de coopération entre le corps diplomatique et l'État ivoirien. Le port autonome d'Abidjan a connu une année 2013 enrichissante. La direction a fait son bilan. Pour l'année 2013, on note un accroissement d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Au moins 21 personnes, dont 13 étrangers, ont péri dans un attentat suicide à Kaboul, en Afghanistan. Parmi les victimes, 4 membres de la mission de l'ONU. Ajoutez également à ce sommaire la page culture de ce samedi. Nous recevrons dans quelques instants M. Samuel Denis pour parler de son œuvre « Le dernier jour d'un condamné à mort », une histoire émouvante d'un chef de gang devenu par la suite ami de Dieu. Pour nos rendez-vous, ce sera dans une trentaine de minutes. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Commençons par la ville de Grand Bassam où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire pour un déjeuner. Un déjeuner à l'occasion de la nouvelle année qui commence, cérémonie conviviale. L'objectif du chef du gouvernement ivoirien, resserrer les liens d'amitié et de coopération entre le corps diplomatique et l'État ivoirien. Le reportage de Michel Digré. Ce samedi matin, les membres du corps diplomatique et quelques ministres du gouvernement ont convergé vers la ville historique de Grand Bassam à l'occasion du déjeuner offert par le Premier ministre à sa résidence privée pour cette cérémonie de présentation de vœux aux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. C'est Daniel Kablan-Duncan lui-même qui accueille ses invités et qui s'implique dans la réussite de la fête. De temps en temps, il est important de resserrer les liens dans un cadre détendu et différent du cadre du travail. Et je pense que, de ce que je crois comprendre de leur part, ça se passe dans de bonnes conditions. Le doyen du corps diplomatique apprécie l'initiative du Premier ministre. Votre geste si cordial et fraternel confirme la tradition d'hospitalité chaleureuse caractéristique de l'âme populaire ivoirienne. Il est aussi un signe clair et évident des traditionnelles relations amicales et respectueuses que la Côte d'Ivoire souhaite renforcer toujours avec la communauté internationale. Un repas pour raffermir les liens entre le corps diplomatique et le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan, toujours au travail, en profite pour faire du lobbying. Je ne saurais terminer mon propos sans, à travers vous, renouveler notre invitation au bureau d'affaires de vos pays et à l'ensemble de nos partenaires au développement à participer au Forum Investir en Côte d'Ivoire 2014 qui aura lieu à Abidjan du 29 janvier au 1er février 2014. Le buffet est ainsi ouvert, le déjeuner peut commencer, mais cette fois sans les viseurs des caméras. Et avant Grand Bassam, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan s'est rendu dans la ville de Yamoussoukro où il a visité l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Le chef du gouvernement ivoirien est allé s'imprégner de l'évolution des travaux de l'hôpital en voie d'achèvement. Le reportage de Kwadwo Kwame Jean de Dieu. La réalisation de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamoussoukro doit s'associer à des œuvres sociales. Vœux exprimés par sa sainteté le pape Jean-Paul II, pris en compte par feu le président Félix Houphouët-Boigny. Ainsi est pensé et prend forme l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati. Cet établissement sanitaire de deux niveaux, à deux entrées côté lac réservées au public et côté basilique ou noble, le tout débouchant sur les quatre L d'hospitalisation, la chirurgie, l'hôpital du jour, les services de réanimation, toujours au rez des jardins, une chapelle, l'espace de vie, les banques, les assurances et les espaces d'échange avec les malades. Au second niveau, l'administration, les consultations, l'imagerie médicale et les locaux techniques. Il est bâti sur 25 000 m² de plancher, y compris les logements des caméliens gestionnaires de cet hôpital. Cet hôpital a une capacité de 250 lits, financé par l'État de Côte d'Ivoire avec le soutien du Vatican. L'architecte Guy Beng conduit les travaux sous la supervision du Bénet. Les travaux de cet hôpital sont achevés à 95%. Reste l'installation et la mise en route des équipements techniques et du mobilier médical. C'est cet hôpital qu'a visité
le Premier ministre Daniel Kablan-Diouf. Le chef du gouvernement ivoirien s'est dit satisfait de l'évolution des travaux avant d'indiquer la date d'une prochaine visite. Vous savez, c'est un chantier quand même gigantesque, d'autour de 14 milliards de francs CFA, qui est quand même énorme. Et ce n'est pas facile d'assurer la coordination, ce n'est pas facile de travailler les uns sur les autres pour respecter les délais. Mais nous avons dit cette fois-ci que c'est le dernier délai qu'on peut leur accorder. Donc je vous donne rendez-vous ici pour le 7 février à 15h. Le président de la République visitera ce joyau architectural au terme des réalisations. Le pape François est annoncé à l'inauguration de cet hôpital. Cependant, le Premier ministre n'a pas voulu en dire davantage. Plus de 1 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés pendant l'année 2013 par les douanes ivoiriennes, soit plus de 96% de recettes recouvrées. C'est ce qui ressort du bilan fait par la Direction générale des douanes, un bilan jugé positif par les douaniers qui comptent maintenir le cap en misant sur le travail bien fait, nous explique Francis Boifo. C'est un record dans l'histoire des douanes ivoiriennes. La barre mythique de 1 000 milliards de francs CFA de recettes a été franchie en 2013. Pour un objectif officiel de 1175,81 milliards de francs, la Direction générale des douanes a recouvré au cours de l'année 2013 le montant de 1129,55 milliards de francs, soit un taux de recouvrement de 96,1%. Ces réalisations enregistrent une nette progression de 155,57 milliards par rapport à 2012, soit une croissance de 16%. Pour le directeur général des douanes ivoiriennes, ces performances ont été réalisées grâce au programme de réforme initié et surtout au mécanisme de lutte contre la fraude. Le colonel-major Issa Koulibaly invite les douanes ivoiriennes à redoubler de vigilance et d'efforts dans l'accomplissement de leur mission en 2014. L'objectif de recette en 2014 assigné à la Direction générale des douanes est fixé à plus de 1245 milliards de francs CFA. Pour y arriver, la Direction générale des douanes entend poursuivre le processus de simplification des procédures, de facilitation des échanges, du renforcement du dispositif de lutte contre la fraude, l'amélioration de l'accueil et la communication sur les procédures. Le port autonome d'Abidjan a aussi connu une année 2013 enrichissante. La direction a fait son bilan pour l'année 2013. On note un accroissement d'un chiffre d'affaires de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Les explications d'Ali Dirasouba. 2013, l'année du véritable redécollage du port autonome d'Abidjan. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le trafic est satisfaisant et se situe dans la même marge d'erreur de nos objectifs assignés, avec une forte croissance pour l'économie nationale hors produit pétrolier de l'ordre de 7%. Une embellie aussi confortée par le chiffre d'affaires de l'entreprise qui connaît une évolution positive de 2 milliards de francs CFA par rapport à 2012. Plusieurs actions fortes ont contribué à ce repositionnement du poumon économique de la Côte d'Ivoire au niveau mondial. On retiendra la mise en place du nouveau conseil d'administration présidé par Kanté Koli pour renforcer la bonne gouvernance dans l'entreprise. 2013 aura été aussi l'année de la mise en route de certains grands projets de développement, entre autres la signature le 19 décembre dernier entre l'État ivoirien et le groupement constitué des sociétés APM Terminals, Bolloré Africa Logistique et Bouygues pour la construction d'un second terminal à conteneurs au Quai Sud, l'attribution du marché des travaux pour la réhabilitation et la modernisation du port de pêche, l'obtention d'un financement d'Exim Bank pour la réalisation du projet d'élargissement et d'approfondissement du canal de Vridi. Autant de projets pour doter la plateforme portuaire d'Abidjan du plus important hub de transbordement de la façade atlantique de l'Afrique. Une vision chère au conseil d'administration et à la direction générale du port autonome d'Abidjan qui ont reçu ce vendredi les vœux des agents de l'entreprise. Outre ce bilan fait par INCIE, les travailleurs ont ici été invités à davantage d'abnégation et de détermination. Si on a donné rendez-vous à Émergence 2020, le port d'Abidjan a pris la décision de réussir tout cela avant 2020. Tellement vous êtes compétents et sérieux et disciplinés. Cette émergence-là
repose essentiellement sur les valeurs qui sont les vôtres. Je souhaite que vous puissiez continuer à aller dans ce sens. Cette rencontre a aussi permis aux travailleurs du port autonome d'Abidjan de présenter leurs doléances à leur chef, lequel a promis les étudier. Le point de la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire a été aussi fait hier par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Le ministre Ahmed Bakayoko a indiqué aux autorités policières et préfectorales venues lui présenter leurs vœux de nouvel an que les perspectives pour l'année 2014 sont bonnes. Le témoignage d'Amza Diaby. Le gouverneur du district d'Abidjan, les membres de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire avec à leur tête le président Gilbert Kone Kafana, les préfets, la direction de la police nationale et les plus proches collaborateurs, tous sont venus souhaiter une année excellente au ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'occasion également de faire des doléances. Que vaut un policier s'il n'a pas de toit? Je vous prie de faire en sorte que le paiement des baux et des arriérés, des baux audités par le cabinet Goodwill, soit payé et que cette question ne devienne qu'un triste souvenir en 2014. Pour le ministre d'État, ce problème de baux impayés sera bientôt un mauvais souvenir. Mais mieux, toutes les dispositions sont en train d'être prises pour qu'il ne se pose plus. En 10 ans, pour la police, pour des baux, l'État donne 100 milliards, à la fin, les policiers en quoi? Rien. Location simple. Il y a des établissements financiers, il y a des banques. L'État peut donner des garanties. On peut trouver des terrains. On peut engager des programmes où nous, on garantit aux banques qui investissent que sur 10 ans déjà passés, c'est 100 milliards qu'on a dépensés. Donc, par contre, cette base, faire des programmes où les policiers qui sortent de l'école t'inscrivent dans ces programmes et on va sortir progressivement de la question des maisons baillées. Un policier, une maison, ce serait une belle récompense pour ces hommes et femmes qui chaque jour travaillent d'arrache-pied pour faire chuter l'indice de sécurité en Côte d'Ivoire. L'indice des Nations Unies relève dans un niveau d'indice classé de 5 à 1, donc 5 pour très élevé et 1 pour très bas, classe la Côte d'Ivoire aujourd'hui en janvier 2014. Au niveau 2, qui est le niveau bas et qui est le même niveau que la ville de New York et la ville de Genève. Ce vendredi 17 janvier reste pour les policiers, les préfets et sous-préfets de Côte d'Ivoire un jour important. Il marque le départ d'une nouvelle année professionnelle active pour le bonheur des populations. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida dévoile son plan national de développement sanitaire et sa politique nationale de santé. Ce plan a été présenté aux partenaires au développement du système des Nations Unies qui ont réaffirmé leur engagement aux côtés de l'État ivoirien, nous explique Hamza Diaby. Le système sanitaire ivoirien se porte de mieux en mieux et les performances ne cessent d'être réalisées. Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, dans le cadre de sa politique stratégique et de planification de ce système, vient de franchir un autre pas, la réalisation du plan national de développement sanitaire et la politique nationale de santé. Dans ce document, nous avons toute la stratégie de développement sanitaire de la Côte d'Ivoire et j'ai tenu à préciser qu'il y a des éléments très importants dans ce document. Il y a bien sûr les modes de financement du domaine sanitaire, mais il y a également la gouvernance au niveau du domaine sanitaire et il y a toutes les stratégies avec lesquelles les partenaires nous accompagnent pour que nous puissions atteindre nos objectifs. Pour le représentant OMS en Côte d'Ivoire, notre pays est sur la bonne voie. Je pense que ce sont les deux documents qui regroupent toutes les orientations nationales en matière de santé. Ces deux documents sont des documents qui non seulement doivent être utilisés par le gouvernement de Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé, mais également par tous les partenaires. Cette remise officielle du PNDS et du PNS marque le début de la nouvelle année dans le domaine de la santé en Côte d'Ivoire. Elle s'est faite en présence de partenaires au développement du système des Nations Unies dans notre pays. Des logements à moindre coût pour permettre à tous les citoyens d'avoir un toit.
L'ambition du gouvernement ivoirien est affichée avec le programme des logements sociaux. La SICOJI vient de signer un partenariat avec un groupe français spécialisé dans l'immobilier. 511 logements sociaux seront construits à Angré dans la commune de Cocody. Le témoignage de Douadé Lazer. 151 logements pour une valeur de 23 milliards de francs CFA, bientôt à Angré dans la commune de Cocody. Ces maisons économiques et moyens standing seront bâties sur une superficie de 16 hectares, déjà acquis dans le cadre de l'opération immobilière Artos, initiée par la SICOJI, Société ivoirienne de construction et de gestion immobilière. La signature de convention entre la SICOJI et Côte d'Ivoire Promotion Immobilière, filiale du groupe Éric Duval, promoteur immobilier français, est une opportunité pour les Ivoiriens de bénéficier de logements de qualité à moindre coût. Nous sommes dans un programme que nous voulons économique au bon sens du terme. Quand je dis économique, c'est qu'il a une vraie logique économique, mais qu'on ne construit pas à l'économie. Au contraire, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce programme, nous souhaitons ensemble en faire un programme de référence. 17 immeubles de 238 appartements et 273 villas et duplex seront donc disponibles à travers ce projet immobilier dans environ 20 mois. Un pan important pour satisfaire la demande de logements sociaux en Côte d'Ivoire. La synergie de nos deux expériences vont apporter du nouveau en termes de cadre bâti, en termes d'équipements socio-économiques, socio-éducatifs, de lieux de loisirs. Donc c'est vraiment une cité complète qui va être construite là. Les travaux de construction vont démarrer d'ici fin janvier 2014 pour s'achever en mars 2015. La SICOJI entend honorer ses engagements dans la mise en œuvre du programme présidentiel de logements sociaux en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de l'agriculture, intéressons-nous à cette campagne d'information et de sensibilisation du Conseil du coton et de l'ANACAD dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le Conseil a sillonné les localités de Boundiali, Korogo et Fekesedougou. À Korogo, les producteurs ont fait des doléances. Ils souhaitent notamment une flexibilité dans la mise en œuvre du zoning, l'une des dispositions de la réforme coton ANACAD. On en sait plus avec Noël Nyagno. Korogo, à environ 600 km au nord d'Abidjan. Producteurs de coton et d'anacard, autorités préfectorales et graineurs, acheteurs de cajou, nouvelles autorités du Conseil du coton et de l'anacard sont face à face pour se parler, expliquer la réforme du coton et de l'anacard, situer les enjeux, lever les équivoques, harmoniser la compréhension de tous les aspects de la réforme. La raison fondamentale de cette démarche contribue à une meilleure mise en œuvre de la réforme parce que l'attente des producteurs est grande. On a la matière première et c'est nous qui sommes les plus pauvres des 4x4 qui sont là. Il va y avoir au moins deux producteurs qui ont peut-être des voitures et tout le reste, les producteurs sont sur les motos. Donc nous attendons de cette réforme vraiment une amélioration. Si les producteurs sont unanimes sur la finalité, leur mieux-être, ceux de la filière coton divergent sur la question du zoning. Non, on ne veut pas du zoning. Pourquoi? Si le gouvernement a donné la liberté aux égreneurs, nous on veut que le paysan aussi soit libre de travailler avec l'égreneur de son choix. Aujourd'hui, le seul producteur, il peut être là aujourd'hui, demain il est à l'autre côté, après demain il est là en créant des impayés. Il faut fidéliser ou sédentariser le producteur. Ouvert à la modernité, ces producteurs préconisent une mise en œuvre progressive de cette disposition. On ne peut pas venir nous appeler du coup pour nous dire non, le zoning, vous n'êtes plus avec le graineur là, que c'est X qui va venir vous encadrer. Pourtant, vous êtes déjà habitué à Z, que vous avez déjà encadré, vous comprenez. On peut le faire, mais il va falloir qu'on va progressivement avec le zoning pour nous permettre de s'adapter. La réforme est faite, les structures sont en train d'être mises en place. Les campagnes de sensibilisation vont certainement se poursuivre. Les producteurs, eux, ont un vœu. La flexibilité dans la mise en œuvre de cette réforme. La réussite est à ce prix. Ouvrons le chapitre politique de cette édition avec cette rencontre des responsables du PDCI RDA. Installé, le secrétariat exécutif du PDCI tient son premier séminaire dans la ville de Daoukro. Au menu, les questions relatives à la vie du parti, le secrétariat
s'est penché notamment sur les doléances qui lui ont été formulées après sa mise en place en novembre dernier. Le président du PDCIRDA, Henri Conan Bédier, qui a pris part à la rencontre, a invité tous les membres du parti à mettre l'accent sur la discipline. Le reportage sur place de Kessambi Thomas. Issu du dernier congrès du parti et installé officiellement en novembre dernier, le secrétariat exécutif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire veut aller vite et bien. Ce gouvernement du PDCI tient donc son premier séminaire, qui sonne aussi sa 9e session. La charge du travail de 48 heures dans la ville natale du président actuel du parti, Henri Conan Bédier, valider le niveau d'exécution des tâches urgentes. Entre autres, la finalisation des statuts modifiés par le 12e congrès ordinaire, la nomination des grands conseils régionaux et le calendrier d'installation des structures du parti. Si les travaux de ce séminaire, axés sur le renouveau, le rajeunissement et la renaissance du parti, ont été productifs au regard du rapport final lu par le porte-parole du secrétariat, Kobena Kwasi Adjoumani, les travaux de ce séminaire se sont achevés par une adresse particulière du président du parti. Le débat devrait être notre oxygène au sein du parti. À cet égard, notre parti dispose de nombreuses tribunes d'expression. C'est pourquoi, face aux déclarations tapageuses de certains responsables du parti, j'appelle les militantes et militants à la sérénité et leur demande de rester à l'écoute de la haute direction du parti. Les positions officielles du parti s'exprimeront chaque fois que le besoin se fera sentir par moi-même, le secrétaire exécutif ou le porte-parole du secrétariat exécutif du parti. Prochain rendez-vous, la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux le 23 janvier prochain. Le RHDP soutient une candidature unique à la présidentielle de 2015. Les entités qui composent le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, en visite chez le maire de Port-Boué, l'ont encore réitéré. Le candidat du RHDP à la présidentielle de 2015 est Alassane Ouattara. Le reportage d'Amza Diaby. Quand le G25 et Hortense Aka-Anguille se rencontrent, les sujets de discussion ne sont autres que la paix et le développement de la Côte d'Ivoire. Dans leur tournée de sensibilisation et d'information chez les leaders politiques du RHDP, les 25 parlementaires ont marqué un arrêt ce vendredi au domicile de Madame le maire de Port-Boué. Le G25 poursuit ses consultations pour la réalisation de l'objectif de sa création, qui est donc d'obtenir la candidature unique autour du président Alassane Ouattara pour l'élection présidentielle donc de 2015. Nous voulons que les partis membres du RHDP, n'est-ce pas, arrivent donc à nous donner cette candidature unique. Et nous sommes ravis parce que notre maman nous a accueillis à bras ouverts et nous a prodigué de sages conseils. L'émergence de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Les députés du G25 veulent s'y impliquer pour qu'elle soit effective. Leur combat, ils comptent le mener donc sans répit, jusqu'à le gagner. Hors de la Côte d'Ivoire, à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, l'opposition était dans les rues ce matin, un rassemblement pour dénoncer le projet de modification de la constitution burkinabé. À la tête de la manifestation qui s'est déroulée dans le calme, le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Il avait à ses côtés Roche-Marc Christian Kabore, l'ancien président de l'Assemblée nationale et l'ancien maire de Ouagadougou. Simon Compaoré, ces deux derniers, avaient quitté le parti au pouvoir au début de ce mois. Et puis, sachez qu'en Égypte, l'information nous a été donnée donc ce soir même. Le huile a emporté par 98,1% avec 38,6% de participation au référendum constitutionnel en Égypte selon la commission électorale. Un huile qui légitime la candidature du général Abdel Fattah al-Sissi à la présidentielle.
ira ou n'ira pas, l'opposition syrienne va-t-elle assister à la conférence de paix de Genève de mercredi prochain? La réponse est bien oui. L'opposition syrienne réunie depuis hier à Istanbul, en Turquie, pour décider de sa venue à Genève, a donc tranché. Et Damas a confirmé sa participation à la conférence et se dit prêt à échanger les prisonniers avec l'opposition. 4 membres de la mission de l'ONU en Afghanistan ont été tués hier dans l'attentat suicide de Kaboul visant un restaurant libanais fréquenté par la communauté expatriée. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné cette attaque dans les termes les plus forts. Au moins 21 personnes, dont 13 étrangers, ont péri dans cet attentat violent revendiqué par un commando taliban. Forces de sécurité déployées en masse vendredi soir en plein centre de Kaboul. Une action des talibans d'une rare audace vient en effet de secouer la capitale afghane, faisant 21 morts, dont 13 ressortissants étrangers. Cible de l'opération, un restaurant libanais prisé par les diplomates, les consultants étrangers ou travailleurs humanitaires. Un cuisinier afghan du restaurant qui s'en est sorti avec une jambe cassée raconte le déroulement de l'attaque. Après l'explosion, la fumée et la poussière ont recouvert le restaurant. Je me suis enfui par le toit et j'ai sauté dans une maison voisine, puis je me suis échappé par une rue plus loin. Un kamikaze s'était fait sauter à l'entrée et deux attaquants se sont mis à tirer sur les gens dans le restaurant. Parmi les victimes, 4 employés de la mission de l'ONU qui a aussitôt dénoncé une violation du droit humanitaire international. Ce genre d'attaques visant des civils et des lieux civils sont inacceptables et doivent cesser immédiatement. Les Nations Unies sont en Afghanistan depuis des décennies, durant les violences et durant les années difficiles, et je ne peux vraiment pas voir les choses changer. Les Nations Unies sont engagées à aider l'Afghanistan sur la voie de la paix et la stabilité. Le porte-parole des talibans a revendiqué, lui, une attaque destinée à venger la mort de civils afghans lors d'affrontements dans la province de Parvan, au nord de Kaboul. Vous l'avez bien compris, c'est l'heure de la page culture. On commence avec la cérémonie de clôture de la 3e édition du Festica, le festival culturel des arts d'Abobo. Le complexe sportif d'Abobo a refusé du monde à cette cérémonie de clôture du festival culturel des arts d'Abobo Festica. Penser les blessures des populations en leur apportant de la joie, mais aussi permettre aux artistes en herbe de cette commune de montrer leurs talents et leurs savoir-faire. C'est la vision des initiateurs de ce festival. Pour eux, l'art est le canal qui permet à l'artiste de mieux s'exprimer. Notre rôle, c'est de permettre aux jeunes de vivre ensemble, c'est de permettre à la population de vivre ensemble. Nous allons réussir cela grâce à la culture, grâce à Festica. C'est pourquoi notre slogan n'a pas changé, Festica, l'épicentre de toute la culture. Une initiative à laquelle adhèrent les autorités de la commune. Elles entendent apporter leur soutien les années à venir. Je voudrais l'assurer, après avoir consulté les membres du conseil municipal qui m'accompagnent ici, que le conseil municipal d'Abobo va s'approprier ce festival et lui donner tout le soutien dont il a besoin. La musique, le théâtre, la peinture et aussi la sculpture sont, entre autres, les disciplines qui ont meublé cette 3e édition du Festica. Débutée à 20h, la cérémonie s'est poursuivie jusqu'au petit matin. Et c'était un commentaire d'Herman Nyamien. Le dernier jour d'un condamné à mort est l'histoire d'un redoutable chef de gang nommé Ervin. Il devrait être exécuté la veille des attentats du 11 septembre 2001, alors qu'il avait une information capitale à donner au président des États-Unis d'Amérique concernant les 10 attentats. Ses victimes le qualifiaient de monstre terrestre pour avoir tué. La loi des hommes pesait donc sur lui. Mais le condamné à mort prônait un changement, une transformation. Parviendra-t-il donc à donner l'information au président américain? Sera-t-il exécuté? Pour en savoir, nous sommes en compagnie de notre invité, l'invité de la page culture, Samuel Denis. Il est ivoirien, poète, dramaturge, romancier. Évidemment. Merci, monsieur Samuel Denis, en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Merci bien, Marie-Laure. Alors, d'où tirez-vous vos inspirations? Voilà mon inspiration. Vous savez, il y a différentes sortes d'écrivains. Il y a des écrivains par passion, il y a des écrivains par raison, il y a des écrivains par vocation.
Les écrivains par vocation sont écrivains par essence, c'est-à-dire qu'ils ne sont rien d'autre qu'écrivains. Dès leur naissance, ils sont nés avec l'écriture, ils ne peuvent pas assister à l'épanouissement de leur individu tant qu'ils n'ont pas écrit. Et moi, je me sens écrivain par vocation. Pour moi, c'est un devoir, voilà, et c'est cela. D'accord, nous allons maintenant découvrir votre ouvrage, Le dernier jour d'un condamné à mort. Mm-hmm. Et c'est avec Serge Colléa avant d'en débattre. Le dernier jour d'un condamné à mort est la dernière œuvre littéraire de Samuel Denis. Le professeur de lettres au lycée moderne de Tabou vient enrichir à travers son œuvre le paysage littéraire ivoirien. Son roman de 189 pages, paru aux éditions Balafon, raconte l'histoire d'un redoutable chef de gang. Ervin Gay doit être exécuté à la veille des attentats du 11 septembre 2001. Pourtant, l'homme a une information capitale à donner au président des États-Unis concernant ces attentats meurtriers. Un récit palpitant replongeant le lecteur au cœur du crime et du grand terrorisme aux États-Unis. Le dernier jour d'un condamné à mort est un roman découpé en quatre parties. C'est la troisième œuvre de Samuel Denis. Samuel Denis est auteur d'un recueil de poèmes intitulé « Chant du dernier combat ». Il a également écrit une pièce de théâtre, La fin de Néron, parue en 2012. Alors, M. Denis, un redoutable chef de gang, devenu oui. par la suite ami de Dieu. Et justement, et là, c'est le thème de la transformation que nous avons voulu prôner à travers l'écriture de cette œuvre. Vous voyez quelqu'un qui a été qualifié de monstre. Et dans toute sa vie, c'est sa monstruosité, son caractère animal. À cause de ce qu'il a fait. Et justement, à cause de son passé. Il a tué. Voilà. C'était un caïd. Un caïd de la drogue. Mmh. Il détenait aux États-Unis le réseau de distribution de la drogue et le réseau d'importation. C'est-à-dire qu'il réussissait à défier même les ports américains et tous les appareils de détection pour s'approprier la drogue. Et encore, il défiait toute cette nation en arrivant à distribuer sa marchandise. Et Ervin, c'est depuis son enfance qu'il, depuis son enfance. Qu'il avait un mauvais comportement. Justement, et ce mauvais comportement lui a été insufflé par son propre père. Vous voyez, le père Thomas Goué qui a communiqué les gènes. Les gènes qui influent négativement justement, sur son enfant. Alors, sur son enfant. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? L'environnement aussi y est pour quelque chose. Évidemment, Jean-Jacques Rousseau dit que la société transforme. C'est vrai que moi, je développe une philosophie un peu opposée. Je crois bien plus que nous sommes nés tous avec les gènes du péché, mais que c'est la grâce de Dieu qui peut arriver à transformer. Néanmoins, on ne peut pas dire que la société ne transforme pas. La société transforme l'individu. Si vous êtes né dans un cadre ou dans un environnement où il y a le banditisme, vous allez voir que vous allez grandir avec cela. Et puis voilà, vous allez influencer négativement la société avec. Alors, on va revenir à la transformation. On va parler de la transformation d'Ervin, hein, oui. puisque c'est le thème principal Justement. De cet ouvrage. Mm-hmm. Alors, est-ce que cela révèle, cela relève-t-il d'un miracle? La transformation? Oui, d'Ervin pendant son séjour carcéral. Oui. Comment Justement, est-ce que ça s'est passé? Ervin reçoit un livre. Vous voyez, il et y a une chose... Pendant tout le livre, vous n'avez même pas donné le nom de ce livre. Non, en fait, c'est un style d'écriture. Vous savez, quand vous êtes écrivain, vous invitez le lecteur à découvrir. D'accord. Parce Alors, que... donc, chacun peut s'imaginer. Et moi, chacun j'imagine peut-être que c'est une Bible. Justement, voilà, vous avez imaginé juste. vous D'accord. avez imaginé juste. Alors, donc, il reçoit un livre. Un livre. Qui va opérer ce changement opérer dans sa ce vie. Changement dans sa vie. Vous voyez, il prend deux mois pour lire ce livre. Et le dernier mois pour qu'il soit exécuté, vous voyez qu'il parvient à la transformation. Et personne ne croyait. Personne par exemple, ne croyait. L'un de ces geôliers qui ne Justement. Croyait même pas en cette transformation. Mm-hmm. Alors, on va donc venir à ce deuxième thème qui est la justice que vous oui. développez. Justement. Qu'est-ce que vous reprochez à cette justice? Parce que vous faites une comparaison, la justice humaine et la justice divine. Qu'est-ce que vous reprochez à cette justice humaine? Il y a pour Samuel Denis deux niveaux de justice. Il y a la justice divine. Et il y a la justice des hommes. La justice divine est la justice, je vous assure, qui est celle-là même qui peut reconnaître un cœur repentant. Vous êtes dans une société où quelqu'un est criminel. S'il est véritablement repenti de ses crimes, la justice divine peut l'innocenter, peut le blanchir. Mm-hmm. Et nous, en tant que chrétiens, nous disons que le sang de Jésus peut le justifier. Et vous voyez ça. Mais cela n'est pas le cas pour la justice humaine.
Et là, dans ce livre, vous voyez que la justice humaine se manifeste dans toutes ses faiblesses. Et quelles sont ses faiblesses? Et ses faiblesses, c'est que l'homme, par exemple, ne peut pas reconnaître un cœur repentant. Vous voyez, si quelqu'un est revenu de ses crimes. Pourtant, il y a dans votre ouvrage le cas de David Strange, qui a quand même reconnu ses qualités de d'Ervin. Cela veut dire qu'il y a, dans la justice humaine, deux niveaux. Il y a le niveau où la justice humaine est juste et il y a aussi le niveau où la justice humaine est injuste. D'accord. Vous voyez. Alors, M. Denis, Victor Hugo a également publié en 1822 un ouvrage qui avait également le même titre, Le dernier jour d'un condamné. Vous l'avez lu? Je ne l'avais pas lu. Et merci beaucoup d'avoir souligné cela. Vous savez, j'ai eu ce petit truc au niveau du milieu littéraire. Oh, on me l'a reproché. Et j'ai dit non, mais écoutez, moi j'ai écrit Le dernier jour d'un condamné à mort. Les faits sont différents, ce qui est sûr. Alors, moi, la question que je voudrais vous poser, Victor Hugo le dit clairement, il est contre la peine de mort. C'est aussi votre avis? En fait, dans mon livre, je ne me prononce pas pour ou contre la peine, de mort. Alors, quelle est votre position? Ma position au niveau de la peine et de mort, je ne peux pas me prononcer, ce n'est pas l'objectif dans lequel j'ai écrit. D'accord. J'ai écrit pour montrer véritablement le caractère de la transformation dans la société. Un homme qui est capable de parvenir... Vous avez, en fait, on a utilisé le milieu carcéral. Et il est bien bon d'évoquer ce milieu-là. Le milieu carcéral, la prison. Vous voyez, Ervin Goué était en prison. Et tout le monde pensait qu'il était, effectivement, c'était un monstre au niveau de la société parce qu'il a fait assez de mal. Il a tué, il a commis des horreurs envers la société. Mais je vous assure que Ervin a été transformé. D'accord. Grâce à un livre qu'il a reçu. Victor Hugo dit, la société ne peut pas se permettre de faire de sang-froid ce qu'elle reproche à l'accusé, c'est-à-dire d'ôter la vie. Votre commentaire. Bon, effectivement, Victor Hugo n'a pas le même point de vue que moi. D'accord. Alors, donc, on va parler de votre point de vue. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, vous dites la leçon principale à tirer, c'est qu'il y a de l'espoir pour tous ces prisonniers. C'est qu'il y a de l'espoir pour tous ces prisonniers. Et au-delà de ces prisonniers, je vous assure qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont en prison dans leur vie quotidienne. Les couples où il n'y a pas de joie, des couples où le mari bat sa femme, c'est une prison. Vous voyez, un homme, un ministre qui part à la maison et qui pratique par exemple la pédophilie, c'est une prison. Il y a beaucoup, ce n'est pas que... Alors donc la leçon à tirer, il y a toujours un espoir, on peut toujours changer. Justement, on peut toujours changer. Parce que l'espoir, c'est la construction de l'avenir. L'espoir, c'est la lutte. L'espoir, c'est viser demain, vous voyez. Et si quelqu'un veut viser demain, c'est quelqu'un qui est motivé à transformer la société. Alors, un message donc à l'égard même de ces prisonniers. C'est vrai, la société qui ne doit pas juger, parce que si on vous suit dans votre raisonnement, c'est cela. Justement, la société ne doit pas juger. Justement. Parce que nous ne sommes pas tous bons. Oui, nous ne sommes pas tous bons. Parce que lui, il est prisonnier. Je prends l'image de Dark. Si Dark. Écoutez, l'un des geôliers derrière. L'un des geôliers, il était le directeur de la prison. Et lui, il dit que Goué est monstre. Mais vous voyez ce que Dark fait en bas? Finalement, en bas, il a été arrêté. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire qu'il faisait un trafic avec un autre prisonnier. C'est-à-dire, les gens que vous voyez dans la société, là, beaucoup disent, oh là, moi, je suis telle personne, je m'en vais au travail, je fais ceci, cela. Mais ils font des choses que la loi ne peut pas condamner. Vous voyez? Ah, voilà. Donc, il n'y a pas qu'Ervin Goué qui soit condamnable. Nous tous, vraiment, nous pratiquons des choses qui ne sont pas bien dans la société et que nous devons arrêter. Merci beaucoup, M. Samuel Denis. Je vous en prie. Un message avant de nous quitter. Je salue d'abord tous mes amis du Tabou. Et là, c'est très nécessaire. Parce que vous êtes professeur de lettres modernes, si voilà, jeune. Justement. Merci bien. Vous avez à votre actif trois ouvrages. Trois ouvrages. Ce que je veux dire, il y a des livres qui transforment des vies. Il y a des livres qui apportent de la consolation dans un couple. Il y a des livres qui amènent à réfléchir, qui nourrissent l'âme. Et j'invite donc le public, les téléspectateurs au niveau du monde à chercher à rencontrer ce petit livre qui a été écrit. Et je suis sûr que ce livre apportera un véritable changement dans leur vie. Merci. Marie-Laure, je ne m'amuse pas. Merci beaucoup, M. Samuel Denis. Vous êtes donc l'auteur de l'ouvrage « Le dernier jour d'un condamné à mort ». Oui. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous également.
Et je rappelle que M. Samé Denier est professeur de lettres modernes à Tabou, auteur donc de 3 œuvres littéraires, dont un recueil de poèmes. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à l'équipe technique, à la réalisation, au rédacteur en chef adjoint Adama Koné pour la supervision. Merci à vous tous de votre attention. À 23h, vous avez rendez-vous avec Maïsako. Demain 20h, retrouvez Abiba Dambélé Saoui.